Bonjour et bienvenue dans l'émission Animalia. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un de nos téléspectateurs, Monsieur Lamotte. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous, Monsieur Lamotte, pour nous parler de votre passion pour les chats. Ah, mais c'est un plaisir. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire de quand date votre passion pour les chats ? Ma passion pour les chats, eh bien, c'est quelque chose d'inné. C'est l'amour des félins, c'est inné. Pourquoi préférez-vous les chats aux autres animaux ? Au départ, ma passion, c'est les guépards. J'adore leur vitesse, la façon qu'ils attrapent une antilope. Mais comme vous pouvez voir sur les vidéos disponibles sur Internet, les propriétaires de gros félins comme ceux-ci, ils tombent en lambeaux souvent. Ah, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis acquis des chats. C'est comme des versions miniatures de ces terreurs gigantesques. Je vois que vous avez des photos de vos chats avec vous. Pouvez-vous nous les présenter ? Ah bien oui, bien sûr, ça me fera plaisir, monsieur. Alors, voyons. Vas-y. Donc, tout d'abord, celui qui est ici, je l'appelle Misty Gris. Et il est dodu, je l'aime bien. Et comme vous pouvez voir sur cette photo, il fait un air comme s'il était un petit peu grognon. Mais il n'est pas du tout grognon comme ça, Misty Gris. Il est doux comme un cœur. Alors, celui-là, je l'appelle Boule Noire. Alors, c'est à l'hommage du célèbre chanteur québécois. Puis, comme vous pouvez voir, en ce moment, Boule Noire est justement en boule dans le robinet. Je trouve ça complètement mignon. Je vois. Et le chat est-il le roi à la maison ? Ah, bien sûr que le chat il est le roi à la maison, parce que dans la savane, le lion, ben c'est lui le roi. Alors mes chats, je veux dire, ici ils sont les rois. Donc moi je leur fais les ongles, je leur donne du bon manger, je les lave. Parfois je leur sacrifie des agneaux, hein, parce que c'est des rois, ils méritent ça, hein, je les aime. Finalement, pensez-vous que vos chats ont un impact sur vos relations sociales ou familiales ? Mais bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Avant, il avait un petit impact dans ma vie, par le passé, parce que je me laissais contrôler par les chats, je les traite comme des rois, et j'avais pas de copines, et puis des choses comme ça. C'est une bien triste histoire. Merci Monsieur Lamotte d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça fait plaisir, hein. Et en passant, si jamais vous cherchez d'autres sujets de reportage, eh bien, vous saurez que ma passion pour les chats, c'est dévergondé peut-être, mais j'adore aussi les ascenseurs et je pourrais pas en parler longtemps. Alors... Merci Monsieur Lamotte, mais ce sera tout pour cette semaine. Quant à vous, téléspectateurs, nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Animalia. Merci et bonne soirée.